Ah, bonjour, mon nom est Pierre Fontaine. Je suis candidat du Parti communiste dans la circonscription de Laurier-Sainte-Marie. J'ai grandi dans cette circonscription. J'ai été à l'école dans cette circonscription et j'ai aussi travaillé pendant. En fait, j'ai passé ma carrière, je suis aujourd'hui retraité, mais j'ai travaillé pendant 35 ans à l'hôpital Notre-Dame. Et pendant toutes ces années, j'ai été militant syndical à la CSN. Donc, je me présente pour le Parti communiste parce que le Parti communiste est le parti qui met de l'avant des revendications syndicales et pro-syndicales, contrairement aux conservateurs d'Harper qui s'attaquent aux droits du travail, aux droits des syndiqués, entre autres avec la loi 6-371, où on veut imposer aux syndicats interdire finalement l'action politique. En dévoilant les états financiers des syndicats. Nous, on abrogerait évidemment toutes ces lois et tous ces obstacles que le gouvernement actuellement est en train d'imposer aux syndicats. Au contraire, on mettrait dans la Constitution le droit de grève, le droit de s'organiser, de se syndiquer et le droit de négocier des conventions collectives. On interdirait les briseurs de grève. On renforcerait toutes les lois. Travail pour assurer les droits des travailleurs et des travailleuses, notamment des travailleurs immigrants, des travailleurs qui travaillent dans les fermes. On interdirait la double échelle salariale ainsi que les doubles standards pour des travailleurs à temps partiel. Alors tout ça, évidemment, me tient beaucoup à cœur puisque j'ai combattu toute ma vie pour ça. Et ça, le Parti communiste met de l'avant une plateforme aussi claire pour défendre les droits des travailleurs, travailleuses et le droit à la syndicalisation. Alors le 19 octobre, je vous invite à voter pour moi dans la circonscription, mais à voter pour les candidats communistes partout à travers le pays. Merci.